L'ambition du prince Andrew de retourner à la vie royale reste non atténuée malgré l'accueil mitigé qu'il a reçu pour avoir participé à un événement royal majeur au bras de la reine ces dernières semaines, a affirmé une source. À la fin du mois dernier, le duc d'York, 62 ans, a fait la une des journaux après avoir accompagné le monarque à un service commémoratif pour feu le prince Philippe, décédé en avril dernier. L'occasion a marqué la première apparition publique du prince Andrew depuis qu'il est parvenu à un règlement dans son affaire civile d'abus sexuels avec l'accusatrice Virginia Giuffre. Le règlement n'est pas un aveu de culpabilité et Andrew nie avec véhémence les allégations. La volonté d'Andrew de se placer sous les yeux du public lors d'un événement royal aussi médiatisé a suscité de nouvelles spéculations sur un éventuel retour sous les projecteurs du duc, car des sources affirment que le royal nourrit toujours l'ambition d'un rôle public. Une source a déclaré au Times, dans le passé, il a fait beaucoup de bonnes choses pour des organisations caritatives, également en sa qualité d'ambassadeur commercial du Royaume-Uni. S'il est réhabilité, je pense qu'il peut faire beaucoup de bien. Le règlement n'avait aucun aveu de culpabilité. Alors qu'un autre a ajouté, il y a à juste titre des questions sur lui mais il y a rarement un jugement équilibré sur lui dans les médias. Il a beaucoup à donner aux gens qui le laisseront donner. Un autre a déclaré, son ambition de retourner à la vie publique et sa conviction qu'il peut rendre service restent intactes. Mais il est le seul à le voir ainsi.